White Dog, le voici. Un chien arrivé par hasard dans la vie de Romain Gary et Jean Seberg un jour d'avril 68. Romain, tu sais, je ne vais pas rien faire sous prétexte que tu ne sais pas quoi faire. Il faut soutenir le peuple noir dans sa lutte pour l'égalité des droits. Jean, laisse tomber. Martin Luther King vient d'être assassiné et le peuple noir américain lutte pour ses droits. White Dog, lui, a été dressé pour tuer. White Dog est adapté du roman de Romain Gary, une autofiction sur fond d'histoire avec un grand H qui offre une grande liberté aux marionnettistes. Bientôt, ils vont dresser des lions pour garder leur foutu baraque. Là, dans le cadre de l'histoire d'un auteur, ça nous paraissait important que ce soit du pop-up, des papiers en scénographie, en marionnettes, que tout soit cette espèce d'univers un petit peu fragile et qui s'écrit en direct, voilà, et de mélanger le maximum de ce que la marionnette permet, c'est-à-dire un univers fantasmagorique. De la question du conditionnement de l'esprit humain au danger de l'intelligence artificielle en passant par Shakespeare, le monde des formes animées est en pleine mutation à l'image de la société. Le ministère de la Culture a d'ailleurs reconnu la marionnette comme un art à part entière il y a 2 ans, de quoi créer de nouvelles vocations. Seulement voilà le problème, c'est que votre chien, je l'ai vu, maintenant il est trop vieux, il a pris de vie en profondeur, on ne peut pas le rééduquer. Il y a un réel engouement actuellement avec des artistes de toutes disciplines aussi qui s'emparent de cet outil formidable pour dire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement qu'avec des marionnettes. En 20 ans, Marionettissimo s'est imposé comme l'un des meilleurs festivals de marionnettes au monde. 2018 marque une nouvelle étape avec le lancement d'une saison de spectacles tout au long de l'année et l'ouverture d'une classe d'enseignement de cet art à la rentrée 2019. Je te promets.